Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je suis Madame Leila Bouazizi, enseignante de sciences physiques au lycée Pilote de Monastir. Je vais vous présenter une leçon destinée aux élèves de 4e année maths et sciences expérimentales, assistée par l'inspecteur principal, Monsieur Fathi Ben Salah, et intitulée Variation du pH d'une solution d'un monoacide faible suite à l'ajout d'une solution de monobase forte. Commençons par les objectifs de la leçon. Savoir réaliser un dosage acido-basique en utilisant un indicateur coloré ou un pH mètre. Tracer et interpréter la courbe de variation du pH d'une solution aqueuse d'acide faible, AH de concentration Ca, en fonction du volume ajouté de la solution de base forte. Exploiter la courbe de dosage par pH-métrie pour la détermination de la concentration de la solution d'acide dosé. Exploiter la courbe de dosage pour déterminer la constante d'acidité du couple AH-A- et définir une solution tampon. Et finalement, choisir un indicateur coloré convenable pour repérer l'équivalence au cours du dosage. Le lait est un liquide biologique qui se dégrade par transformation du lactose en acide lactique. Le titrage de cet acide est un moyen de contrôler sa qualité. Donc, comment procède-t-on pour ce titrage d'acidité? Donc, on va commencer par rappeler le dosage d'un acide fort par une base forte. Bon, bien sûr, on travaille à la température 25 degrés Celsius, c'est-à-dire à laquelle le produit ionique de l'eau est 10 à la puissance moins 14. On a représenté la courbe, on a dit que la courbe présente un seul point d'inflexion. L'équation de la réaction est exothermique totale et rapide. Son équation s'écrit sous la forme. Ion hydronium plus ion hydroxyde donne 2H2O avec une seule flèche. Il y a équivalence lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques de la réaction de dosage. À l'équivalence, on peut écrire concentration de l'acide fois volume de l'acide égale concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence. Et la molarité en ion hydronium H3O plus à l'équivalence, elle est égale à la molarité en ion hydroxyde à l'équivalence. Elle est égale à 10 à la puissance moins 7 mol moins 1 à 25 degrés Celsius. Mode opératoire, voilà le dispositif expérimental. Il est constitué d'une burette graduée, d'un pH mètre, d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10 moins 2 mol moins 1, d'un pH mètre, d'un barreau aimanté, d'un agitateur magnétique, d'une solution d'acide éthanoïque, concentration Ca, de concentration Ca, et d'un support. Je vais vous présenter une séquence vidéo que j'ai déjà réalisée au laboratoire du lycée Pilote, illustrant la réalisation du dosage de l'acide éthanoïque par la solution d'hydroxyde de sodium. Après avoir étalonné le pH mètre, préparez la burette graduée avec la solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10-2 ml moins 1. Prélevez le volume à doser de la solution d'acide palmique. Mettre le barreau aimanté et bien sûr, on a introduit la sonde du pH mètre. Donc, tout d'abord, pour une bonne immersion de l'électrode, de la sonde, il faut qu'elle soit complètement immergée dans l'eau. Donc, on va ajouter de l'eau distillée. Pour qu'elle soit complètement immergée dans l'eau. Voilà. Bon. On va ajouter aussi quelques gouttes de phénolphtaline pour voir l'équivalence, pour détecter l'équivalence. Changement de couleur, bien sûr. Donc, mise en marche de l'agitateur magnétique. On va réaliser ici un dosage préliminaire. Je vais ajouter à chaque fois une portion de 1 ml. Juste pour voir la décoloration de la solution. Donc, on va voir. On va constater aussi que la valeur du pH lors de l'ajout de la solution d'hydroxyde de sodium augmente progressivement. Donc, on va voir. Donc, le pH inférieur à 7, ça se voit, la solution est encore acide. Donc, ici, le réactif qui dépend, c'est la réaction d'hydroxyde de sodium. Donc, regardez l'évolution des pH. Donc, c'est 4,26 en portion de 1 ml. Voilà.
On ouvre le robinet, on ajoute, on verra l'évolution et la décoloration de la solution. Donc, on est arrivé à presque 5 pH/mètre. Voilà. On va ajouter maintenant. Regardez, on va constater qu'il y a apparition d'une coloration rose, mais disparaît au fur et à mesure que le barbon est monté. Il y a encore de l'homogénéité du mélange. Donc voilà, goutte à goutte, on va voir maintenant. Il a ajouté par portion de. Et voilà, normalement. Pas encore, la coloration est presque claire. Donc c'est bon. Donc voilà. Ça c'est l'équivalence de volume. Eh bien, presque 20 ml. Donc on est à l'équivalence. La solution vient en vert. Ce qui nous a permis de dresser le tableau suivant. Donc on passe au traçage de la courbe qui représente l'évolution de pH en fonction du volume de la base ajoutée. Voilà l'allure de la courbe. Donc vous voyez ici, on va voir les principales caractéristiques du graphe de pH en fonction du volume de la base. Bien sûr, toutes les solutions sont prises à la température 25 degrés Celsius. Donc la courbe pH présente est croissante et peut être décomposée en quatre parties. Par exemple, la partie AB, vous voyez, AB, tel que le volume de la base est compris entre 0 et 3 ml, le pH croît faiblement de 2,88 à 3,6. Pour la partie BC, où le volume de la base est compris entre 3 ml et 18 ml, donc le pH ici varie peu et la courbe étant quasiment rectiligne. La partie CD aux environs de 20 ml où l'on observe une variation du pH brusque mais moins importante que pour l'acide chlorhydrique. Pour la partie DF où le pH varie faiblement et tend vers une asymptote horizontale. Donc la courbe ici présente deux points d'inflexion. Au point I, tangente à la courbe, en ce point est pratiquement vertical. Cela justifie le saut du pH. Au point K, à la demi-équivalence bien sûr, la tangente à la courbe est pratiquement horizontale, donc la courbe, la variation du pH est faible. Pour la détermination des coordonnées du point d'inflexion, on va tracer deux tangentes parallèles à la courbe du part et d'autre du saut du pH. Bien sûr, on va tracer une troisième droite parallèle à ces deux dernières et équidistante et qui coupe le saut du pH en un point I appelé point d'inflexion. Donc on a besoin de deux accessoires, une équerre et une règle. On va ramener l'équerre de telle façon qu'elle soit tangente à la trajectoire, à la première concavité. Donc on va tracer cette première concavité, première tangente à la concavité supérieure. Ensuite on va ramener la règle perpendiculaire. On va glisser vers le bas l'équerre pour tracer la deuxième tangente. Puis on va chercher le milieu qui sépare les deux parallèles, les deux tangentes, et qui coupe le saut du pH en un point I, dit point d'inflexion, tel que son abscisse c'est VI et d'ordonnée pHI. Passons maintenant à la partie suivante. Détermination des coordonnées des points d'inflexion I et K. Voilà la courbe, pH en fonction du volume de la base, point d'inflexion, pHI. Donc le volume au point I égale à 20 ml, le pHI égale à 8,7 supérieur à 7. Rappelons que l'équivalence acido-basique et l'état du système tel que l'acide et la base sont en proportion stoichiométrique. Si on cherche le produit, c'est-à-dire on cherche la quantité de matière de la base, CB fois VB, on trouve qu'elle est égale à 2 10 à la puissance moins 4 mol. On calcule de la même façon la concentration de l'acide fois VI, c'est-à-dire le volume au point d'inflexion,
Je trouve aussi que 2 10 à la puissance moins 4 mol. Donc, nous constatons on a égalité entre les deux quantités de matière, c'est-à-dire CA fois VI égale à CB fois VB. D'où on parle ici d'équivalence, c'est-à-dire le point d'inflexion coïncide avec le point d'équivalence. Maintenant, pour VI sur 2, c'est-à-dire le volume au point d'inflexion divisé par 2, il est égal à 10 ml, c'est le point K, on trouve le pH en ce point égal à 4,8. Cette indication nous renseigne que le pH au point K représente le pKa du couple acide-éthanoïque ion éthanoate. Donc, récapitulons, le pH au point I égale à pHe égale à 8,7, donc à l'équivalence, la solution est basique. Et à la demi-équivalence, le pH à la demi-équivalence, il est pKa égale à 4,8. Maintenant, on va écrire l'équation de la réaction du dosage. Pour VB égale à 0 ml, on est en présence d'une solution aqueuse d'un monoacide faible. Son ionisation dans l'eau est très limitée. Donc l'acide éthanoïque, bien sûr, est un acide faiblement ionisé. Donc vous connaissez que signifie faiblement ionisé, c'est-à-dire on va utiliser les approximations TOEFL inférieur à 0,05 et bien sûr on néglige les ions provenant de l'eau devant ceux provenant de l'acide faible. Donc l'équation de l'acide éthanoïque, c'est acide éthanoïque plus l'eau, double flèche, ion éthanoate plus ion hydronium. Le pH égale 1/2 pKa moins log de C. Bien sûr, en utilisant les approximations, c'est-à-dire notre acide est faiblement ionisé, elle est égale à 2,88. Lors de l'addition progressive de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, NaOH, dans la solution aqueuse d'acide éthanoïque, les ions hydroxyde réagissent avec l'acide éthanoïque selon l'équation de la réaction. CH3COH, OH- plus OH- donne H2O avec double flèche plus CH3CO-. La constante d'équilibre relative à cette réaction est, donc, loi d'action de masse, c'est la molarité CH3CO- sur la molarité CH3COH fois la molarité de H-. Ici, H2O ne figure pas dans l'expression de la loi d'action de masse car c'est un solvant. Elle est égale aussi, cette expression nous rappelle de la constante de basicité, donc elle est inverse, l'inverse de KB. On rappelle que KA, le produit de la constante d'acidité fois KB, elle est égale à KE, le produit unique, et par suite KB égale à KE sur KA. Donc, K, la constante d'équilibre, égale à 1 sur KB, égale à KA sur KE, c'est 10 à la puissance pKe moins pKa. Tout calcul fait, on trouve 1,58, 10 à la puissance 9, c'est-à-dire supérieur à 10 à la puissance 4, d'où la réaction est totale. Donc, je peux écrire l'équation de la réaction de dosage, acide éthanoïque plus ion hydroxyde de H- avec une seule flèche donne molécule d'eau plus ion éthanoate. Justification maintenant du caractère basique du mélange obtenu à l'équivalence. Tout l'acide faible à l'équivalence, l'acide éthanoïque, est neutralisé par la base forte en se transformant en sa base conjuguée qui est CH3CO-, c'est l'ion éthanoate, qui est une base faible et qui va réagir avec l'eau selon l'équation CH3CO-, ion éthanoate, plus des molécules d'eau donne OH- plus CH3COH, car l'acide éthanoïque est faible aussi. Donc il y a apport des ions OH-. En conséquence, la molarité des ions hydronium elle est supérieure à 10 à la puissance moins 7 mol litre moins 1. On rappelle que toutes les solutions sont prises à la température 25 degrés Celsius. Donc la solution obtenue à l'équivalence est donc basique. Et le pH est bien sûr supérieur à 7. En plus, on obtient une solution d'éthanoate de sodium, Na+, plus CH3CO-. Le mélange obtenu à l'équivalence est une solution de base faible. Si les deux approximations sont vérifiées, le pH du mélange est donné par la relation pH égale 1/2 pKa plus pKe plus log de C. Et si C représente la concentration de la molarité des ions éthanoates. Voilà. Donc la concentration du mélange à l'éthanoate, par définition, c'est CB fois VB sur VA plus VA égale à 5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1.
Donc, le pH à l'équivalence, il est égal à 1/2 pKa plus pKe plus log de Cb fois Vb sur le volume de la base à l'équivalence plus le volume de l'acide. On trouve, tout calcul fait, que le pH à l'équivalence est égal à 8,72. Passons maintenant au pH du mélange à la demi-équivalence. On a dit qu'au point K, on a Vi égale à Vk égale à Vb, et que l'équivalence divisée par 2 égale à 10 ml. Graphiquement, on a trouvé que le pH K égale à pKa du couple ion, acide éthanoïque ion éthanoate égale à 4,8. Au point d'inflexion K, la tangente à la courbe est presque horizontale, ce qui signifie qu'au voisinage de ce point, le pH varie très faiblement. Donc, au point K, on a Vb égale à Vb équivalence divisé par 2. La moitié de la quantité d'acide initiale a réagi, d'où l'appellation du point de demi-équivalence. À la demi-équivalence, on a volume Vb égale à volume de la base à l'équivalence divisé par 2 égale à 10 ml. Graphiquement, le pH à la demi-équivalence égale à 4,8 qui représente le pKa du couple acide éthanoïque ion méthanoate. Au point de demi-équivalence, on a la molarité des ions éthanoates, elle est égale à la molarité de l'acide éthanoïque. D'où, si on demande par exemple de chercher la concentration, la constante de l'acidité, on trouve qu'elle est égale à H3+, puisque les deux molarités ion éthanoate, acide éthanoïque est égale à K. Et par suite, le pH à la demi-équivalence représente le pKa du couple qui est 4,8. On passe maintenant au point d'inflexion qui correspond à la demi-équivalence. Le point d'inflexion, c'est-à-dire au point D. La tangente à la courbe est presque horizontale. Donc, nous avons montré que, en ce point, point D, que la molarité des ions éthanoates est égale à la molarité de l'acide éthanoïque. Donc, en ce point, l'acide faible et sa base conjuguée sont en quantité égale. Au point de demi-équivalence, le mélange possède deux propriétés. Son pH varie faiblement par addition d'une quantité modérée, soit d'acide ou bien de base faible ou fort, ou bien, et bien sûr, son pH reste pratiquement constant suite à une dilution modérée. C'est ce qu'on appelle la solution tampon. On va définir la solution tampon. Une solution tampon est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en quantité comparable. Récapitulons, on va voir les propriétés d'une solution tampon. On parle de solution tampon, bien sûr, à la demi-équivalence. Le pH diminue légèrement lors d'un ajout d'un acide faible ou fort, en proportion modérée, bien sûr. Il augmente très légèrement lors d'un ajout d'une base faible ou forte, en proportion modérée aussi, mais reste pratiquement constant suite à une dilution modérée. Influence des différents facteurs sur la courbe de dosage. On va commencer par influence des concentrations des solutions. Au départ, les courbes sont toutes légèrement incurvées, contrairement à ce que nous avions observé pour un acide fort. On va commencer pour le dosage 1, c'est-à-dire on va prendre les concentrations de l'acide égale concentration de la base égale à 10-1 mol moins 1. Donc, voilà la courbe C1, le point d'équivalence, point de demi-équivalence, voilà. Le deuxième dosage, CA égale à CB, donc on va diminuer les concentrations, 10-2 mol moins 1, regardez la courbe. Donc vous voyez que les pH augmentent faiblement avant l'équivalence, il reste constant à la demi-équivalence. À la demi-équivalence, une légère diminution, on va voir pourquoi. Pour le dosage numéro 3, on va prendre deux concentrations, mais inférieures aux autres, c'est-à-dire CA égale à CB égale à 10-3 mol litre moins 1. Regardez l'allure de la courbe, c'est 3. Donc, le point d'équivalence 3, elle est inférieure à celle au point, à celui au point 2 et qui est aussi au point 1. Donc, on va constater que le pH à l'équivalence 1 est supérieur au point le pH à l'équivalence au point 2 supérieur strictement au pH au point d'équivalence 3. Donc au point de demi-équivalence, les courbes coïncident car toutes les solutions ont un pH égal à pKa, c'est-à-dire on travaille du même acide.
Suite à une dilution, pH étant vers 7. À la demi-équivalence, on a dit que pH au point D, on a appelé ce point D égal à pKa. Donc le pH au point D ne varie pas. Voilà. Donc les pH initiaux sont différents car ils dépendent de la concentration de l'acide éthanoïque. On va voir maintenant l'influence de la nature de l'acide. On va prendre deux acides, acide méthanoïque et acide éthanoïque. Donc on va doser séparément un volume VA égal à 20 ml d'une solution d'acide éthanoïque ou bien acide acétique, CH3COH, tel que son pKa égal à 4,8 et concentration C1 égale à 0,1 ml moins 1, et un même volume d'acide méthanoïque, pKa2 égale 3,8 et C2 égale à C1, par la même solution d'hydroxyde de sodium, telle que la concentration CB égale à 0,1 ml moins 1. Donc voilà l'évolution, on a tracé la courbe de l'acide éthanoïque en bleu. Donc vous voyez le volume de la base à l'équivalence égale à 20 ml, le pH égale à 8,75. Pour la deuxième courbe d'acide méthanoïque, donc ça c'est le demi-équivalence. Pour l'acide méthanoïque, voilà le pH initial, c'est 2,4. À l'équivalence, c'est 8,25. Et le pKa, c'est 3,8. La question qui se pose maintenant, donner la classification des deux acides par ordre de force croissante en justifiant à chaque fois la démarche utilisée dans les cas suivants. Petit a, les valeurs des pH avant l'ajout de la base, les valeurs des pH à la demi-équivalence et les valeurs des pH à l'équivalence. Voilà, on va commencer. Pour le premier cas, à même concentration, la solution acide qui a le pH le plus petit correspond à l'acide le plus fort. Dans notre cas, l'acide méthanoïque est l'acide le plus fort. Vous voyez ici le pH de l'acide méthanoïque 2,4, le pH de l'acide éthanoïque 2,9, puisqu'ils ont la même concentration. Donc je trouve que l'acide méthanoïque est l'acide le plus fort. Passons à la deuxième question. On a dit que la demi-équivalence, à la demi-équivalence, vous voyez ici le pKa du couple acide éthanoïque 4,8 et le pKa du couple acide méthanoïque ion méthanoate 3,8. Donc, vous connaissez que la demi-équivalence pH EC sur 2 égale à pKa. Donc, plus la valeur du pKa est grande, plus l'acide est faible. Donc, dans notre cas ici, le pKa du couple acide méthanoïque ion méthanoate est inférieur à la valeur à celle de pKa et acide éthanoïque ion méthanoate, ce qui veut dire que l'acide méthanoïque est l'acide le plus fort. On va comparer les deux acides à l'équivalence. Vous voyez ici à l'équivalence, les deux acides ont deux pH 8,75 et 8,25. Or, à l'équivalence, tout l'acide faible est neutralisé par la base forte en se transformant en sa base conjuguée. C'est-à-dire qu'on a à l'équivalence deux bases faibles. Il faut voir tout d'abord, est-ce que ces deux bases ont-elles la même concentration? On va voir. La concentration du mélange à l'équivalence, on va commencer par l'ion éthanoate, puisque l'acide éthanoïque à l'équivalence est transformé à sa base conjuguée. Donc je trouve que la molarité du CH3CO- équivalence égale à CB, le produit de la concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence sur le volume total, elle est égale à 5, 10 à la puissance moins 2 mol moins 1. Voyons la concentration du mélange de l'ion méthanoate. Vous voyez ici, c'est la même démarche, donc je trouve la même valeur. Donc les deux solutions ont la même concentration. Et par suite, la solution qui a le pH le plus élevé correspond à la base la plus forte. Donc l'ion éthanoate ici est la plus forte que l'ion méthanoate, d'où son acide conjugué est plus faible. Et par suite, l'acide méthanoïque est l'acide le plus fort. Choix d'un indicateur coloré. Lors du dosage, nous observons que la phénolphtaléine vire du incolore rose, juste lorsqu'on a versé un volume VB égal à 20 ml, c'est-à-dire le volume de la base à l'équivalence de la solution d'hydroxyde de sodium. On peut conclure que le virage de l'indicateur coloré
peut nous renseigner avec une bonne approximation sur le volume d'acide ajouté à l'équivalence. Donc, juste au virage de l'indicateur coloré, on peut écrire que la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base, c'est-à-dire CA fois VA égale à CB fois le volume de la base à l'équivalence. Donc, CA égale à CB fois volume de la base à l'équivalence sur VA. La question qui se pose, peut-on utiliser n'importe quel indicateur coloré? Ici, on a choisi trois indicateurs colorés usuels, tels que l'héliantine, le bleu de bromothymone et la phénolphtaline. L'héliantine, telle que sa zone de virage est comprise entre 3,2 et 4,4, le bleu de bromothymone, telle que sa zone de virage entre 6 et 7,6, et la phénolphtaline entre 8,2 et 10. Passons maintenant à la courbe d'évolution du pH en fonction du volume de la base. On va voir par exemple l'héliantine. On va apporter sa zone de virage dans la courbe. Vous voyez ici que le changement de couleur de l'héliantine change avant d'atteindre le point d'équivalence. Donc le pH à l'équivalence n'appartient pas à la zone de virage de l'héliantine. Voyons maintenant le bleu de bromothymol. Donc vous voyez le bleu de bromothymol, il vire, change de couleur, mais avant l'équivalence. Donc le pH à l'équivalence ici n'appartient pas à sa zone de virage. Donc il nous reste la phénolphtaline. Vous voyez ici, la phénolphtaline change de couleur à l'équivalence. Donc le pH à l'équivalence appartient à cette zone, c'est-à-dire 8,2 et 10. Donc ici, la phénolphtaline est l'indicateur coloré le plus convenable. Comparaison des dosages d'acide fort et d'acide faible. On va prendre ici deux exemples, acide chlorhydrique et acide éthanoïque. Concernant l'allure de la courbe de l'acide chlorhydrique, au début de la courbe quasi rectiligne, un seul point d'inflexion, au-delà de l'équivalence, le pH tend vers une asymptote. Par contre, pour l'acide éthanoïque, l'acide faible, au début de la courbe est incurvée, deux points d'inflexion, volume à l'équivalence et volume de demi-équivalence. Le saut du pH à l'équivalence est d'autant plus net, l'acide est fort. Pour une concentration donnée, au-delà de l'équivalence, le pH tend vers une asymptote. Le pH à l'équivalence, puisqu'on travaille à 25 degrés Celsius pour l'acide chlorhydrique, tend vers 7, et c'est-à-dire le pH à l'équivalence égale à pKe sur 2, donc la solution neutre à l'équivalence. Par contre, pour l'acide éthanoïque, le pH à l'équivalence est supérieur à pKe sur 2. Je rappelle qu'on travaille à 25 degrés Celsius. C'est pourquoi le pH à l'équivalence supérieur à 7. La solution est basique à l'équivalence, d'où le pH à l'équivalence est d'autant plus proche de 7 à 25 degrés que l'acide est fort ou dilué. pH à la demi-équivalence, on ne parle pas de la demi-équivalence dans ce cas puisqu'on a un acide fort. Par contre, pour l'acide faible, ne dépend pas de la concentration de l'acide faible, mais elle dépend de la nature de l'acide, c'est-à-dire du pKa. Voilà. Évaluation. Toutes les solutions sont prises à la température à laquelle le produit ionique KE égale à 10 à la puissance moins 14, soit deux solutions S1 et S2, respectivement A1H et A2H. L'un des deux acides est fort, l'autre est faible. Les deux concentrations des solutions S1 et S2 sont respectivement CA1 et CA2. On dose séparément un volume VA égal à 10 ml de chacune des deux solutions S1 et S2 par une même solution de soude de concentration CB égale à 10 à la puissance moins 2 ml moins 1. Les deux courbes de la figure 6 contre représentent les variations du pH du dosage respectivement pour les solutions S1 et S2. Vous voyez l'allure en rouge et en bleu. On va commencer par la première question, définir l'équivalence acido-basique et déterminer graphiquement les coordonnées d'équivalence. Bien sûr, on parle d'équivalence, c'est un état de mélange où les quantités de matière des réactifs ici de la base et de l'acide sont en proportion stoichiométrique. Pour déterminer les points d'équivalence, bien sûr, on va utiliser la méthode des tangentes parallèles. On trouve
On va tracer, par exemple, pour la courbe numéro 1, la première tangente à la première concavité, deuxième concavité, droite qui coupe, qui est parallèle équidistante par rapport à ces deux tangentes, coupe le saut du pH en un point I, tel que le volume de la base à l'équivalence égale à 10 ml et le pH à l'équivalence égale à 7. Je trouve que je trace les deux tangentes. Voilà. Donc, le pH à l'équivalence, de la même façon, égal à 8. Le pH, le volume de la base à l'équivalence pour la deuxième courbe, c'est 12 ml. Voilà les coordonnées du point d'inflexion ou bien d'équivalence. Déduire les concentrations molaires des deux solutions acides. À l'équivalence, on a la quantité de matière de l'acide égale à la quantité de matière de la base, c'est-à-dire CaVa égale à CV, volume de la base à l'équivalence. Donc, Ca égale en cas général, c'est le produit concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence sur le volume Va. Donc, pour l'acide numéro 1, vous voyez, donc, je remplace la concentration de la base par sa valeur. Le volume de la base à l'équivalence, 10 ml, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3, et le volume, bien sûr, 10 ml. Tout calcul fait, je trouve que la concentration de la solution S1 égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. De la même façon, on calcule la concentration de l'acide 2. Voilà, de la même façon, je trouve que c'est 1,2 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Passons à la question suivante. Identifier avec deux arguments différents laquelle correspond à un acide fort et laquelle correspond à un acide faible. Vous avez le choix. On peut par exemple commencer pour la courbe numéro 1. Premier argument, nous disons qu'elle présente un seul point d'inflexion. Donc il s'agit d'un acide fort. Deuxième argument, le pH à l'équivalence égale à 7. Donc bien sûr, c'est un acide c'est un acide fort aussi, c'est-à-dire dosage d'un acide fort par une base forte. Pour la courbe numéro 2, le premier argument, c'est que la courbe présente deux points d'inflexion. Voilà, donc je peux dire qu'il s'agit d'un acide faible. Deuxième argument, le pH à l'équivalence supérieur à 7, c'est-à-dire c'est une base. Et par suite, il s'agit d'un acide faible puisqu'il est dosé par une base forte. On passe maintenant à la question suivante. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du dosage de A2H. A2H est un acide faible. Donc, avec la base OH-, je trouve A2- avec une seule flèche plus H2O. Montrer que le pH à la demi-équivalence correspond au pKa2 couple A2H-A2-, et donner alors la valeur du pKa2 du couple A2H-A2-. Ça se voit, très facile. À la demi-équivalence, le volume de la base représente le volume de la base à la demi-équivalence. Donc, la moitié de la quantité de matière initialement de l'acide a réagi. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les molarités de liant A2- égale la molarité de l'acide A2H. Donc, lorsqu'on cherche la constante d'acidité, vous voyez, on trouve que H3+, par définition, la constante d'acidité, c'est H3+ fois A- sur AH. Donc, on peut simplifier puisque ces deux molarités sont égales. Donc, je trouve qu'A égale à H3+ représente le pKa du couple. D'après le graphe, c'est 4,8. Donc, passons à la question suivante. On veut préparer une solution tampon de volume V égale à 80 ml en mélangeant un volume d'acide de S2 et un volume VB de SB. On va calculer les volumes de l'acide et de la base. Pour une solution tampon, solution à la demi-équivalence, on a la quantité de matière de base ajoutée, elle est égale à la quantité de matière, à la moitié de la quantité de matière de l'acide initialement présent. Donc, nombre de moles de l'acide divisé par 2 égale nombre de moles de la base ajoutée. Et par suite, le nombre de moles de l'acide, c'est le produit de la concentration fois le volume sur 2, est égal aussi à la concentration fois le volume de la base ajoutée. Je trouve, tout calcul fait, que le volume de la base est égal à 0,6 fois le volume de l'acide. Or, on a VA plus VB égal à 80 ml. Je peux déduire que le volume de l'acide est égal à 50 ml et le volume de la base est égal à 30 ml. Passons à la question suivante. On dose 10 ml d'une solution S3, solution aqueuse, d'un acide A3H de concentration C3 égale à C2. Par la même solution SB, le pH du point d'équivalence vaut 9. Donc, en justifiant la réponse, comparez la force des acides A2H et A3H. C'est très facile et très simple. La réponse
Dans les deux cas, dosage de A2H et dosage de A3H, et à l'équivalence, on a deux solutions aqueuses de base, faible bien sûr, A2- et A3- de même concentration, d'où la base la plus forte et celle qui a le pH le plus grand. Son acide conjugué est bien sûr est le plus faible, d'où A3H est plus faible que A2H. Et par suite, on a déjà dit que l'acide faible est A3H. La question suivante, c'est déduire une comparaison entre les valeurs de pKa. C'est une déduction, hein, puisque l'acide A3H est faible, donc ce pKa3 de A3H A3- est supérieur au pKa2 A2H de l'acide A2H A2-. Passons à la question suivante. Ce dosage est réalisé en utilisant l'un des trois indicateurs colorés suivants. Lequel de ces indicateurs est le mieux approprié à ce dosage? Bien sûr, nous utilisons toujours trois indicateurs colorés usuels, l'iliantine, la phénolphthalinine et le bleu de bromothymol. Vous connaissez bien sûr leur zone de virage. La réponse est la phénolphthalinine. Pourquoi? Car le pH à l'équivalence de la solution aqueuse S3 d'acide A3H appartient à la zone de virage de la phénolphthalinine. C'est pourquoi cet indicateur coloré est plus convenable. Merci pour votre attention et bonne chance.